انتقدوا بعاد، مش نوقفوا انتشار الكورونا. خلينا الكلنا مسؤولين، نقصوا قدر الإمكان أعداد الأشخاص في التجمعات، نخليو على الأقل مترو بيناتنا، وما ننساوش نلبسوا الكمامة ونغسلوا ايدينا بانتظام. يد واحدة نوقفوا الكورونا. نحن البلابل التي تعلم السنابل أن ترقص الندى وأن تطير كالبلابل. من حقنا أن نكبر وأن نعيش كي نرى حدائق الطفولة تعمر المنازل. من حقنا هنا حلم لنحرسه، نبني به لنا بيتا ومدرسة، والبيت من حنان والمدرسة أغان تطير في ثوان تطفي بنا المراحل. من حقنا شراع محدد الملامح وأمره المطاع الحب والتسامح، بدون عنصرية يحدد الثنية ويحرس الهوية ويرشد القوافل. من حقنا رغيف على المدى رضي وشارع نظيف هواؤه نقي. من حقنا الغذاء والدفء والدواء والحاضر المضاء بأجمل الشمائل. من حقنا هنا مدينة صديقة، سماؤها منى وأرضها حقيقة. من حقنا الرعاية والهدي والحماية كي نكمل الحكاية ونحفظ الرسائل. من حقنا هنا العيش في أمان، لا فرق بيننا في اللون واللسان. حياتنا كرامة ودربنا سلامة ودارنا مقامة على ذرى الخمائل. التلقيح هو الحل باش نوقفوا الكورونا، واليوم لقح انا وزملائي باش نحميو رواحنا وعائلاتنا، نحميوكم انتوما زاد. التلقيح امن وفعال، ويمثل اليوم احسن طريقه باش نقاوموا فيروس كورونا ونبداو نرجعوا لحياتنا العاديه. واجبنا نسجلوا رواحنا وافراد عائلاتنا باش نتمتعوا بالتلقيح المجاني ضد الكورونا. نجم تسجل على evax.in ولا اضغط على نجمة 2021 ديز، ولا ابعث رسالة فيها evax على 85 355، وإلا اطلب الرقم الأخضر 80 10 20 21. بالتلقيح نوقف الكورونا. ألف مبروك لانطلاق إذاعة سيدة أفام، أتمنى لها كل النجاح والتوفيق. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي، الشوق فناني والكاس تعاد. histoire des économies des sociétés méditerranéennes de l'école doctorale de la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis et de l'Institut arabe des droits de l'homme. Nous invitons aujourd'hui professeur Nourdine Dogui pour présenter et pour discuter avec lui de son ouvrage Voici la Bourguiba, la main invisible, édité chez Sud Éditions en 2020. Je voudrais commencer tout d'abord par la présentation de notre cher professeur Nourdine Dogui. Il est professeur d'histoire contemporaine. Il a enseigné depuis 1979 dans divers établissements d'enseignement supérieur, à l'École normale supérieure de Tunis, de Bizerte et de Sousse, à l'Université Reims Champagne-Ardenne et à la Faculté des Lettres et des Humanités de la Manouba. Monsieur Nourdine Dogui a déjà préparé une thèse en 1979 sur les origines de la loi du 23 mai 1863 et du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes. Et c'est une thèse de troisième cycle soutenue à l'Université de Paris 1 Sorbonne. En 1991, il a soutenu une thèse d'État intitulée « Histoire d'une grande entreprise coloniale ». La compagnie des phosphates et des chemins de fer GAFSA, 1897-1930. Cette thèse a été publiée par les presses de l'université de la Manouba. Monsieur Nourdine Dogui est bilingue. Il a publié des ouvrages en arabe et en français. Je cite juste les derniers. Tunis min al-Iyal ila al-Jumhouriya, 1814-2014. Mongislim, l'homme des missions difficiles. Et je rappelle que Nourdine Dogui est par ailleurs occupé des fonctions administratives en tant que directeur général de l'Institut supérieur de l'enseignement de l'Institut du mouvement national entre 1996 et 1999. Et de 1999 à 2010, il a été directeur général de l'enseignement supérieur. Il est par ailleurs expert à l'UNESCO, à l'ALESCO et à l'ISESCO. Marhaba bik si Nourdine. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Romain Rolland.
prix Nobel de la littérature en 1915, qui déclare « Les femmes, différentes, immatures, influençables, inférieures, ne peuvent prendre une part intelligente et autonome à la vie politique. » Est-ce que l'avis de Romain Rolland peut s'appliquer quand on regarde le parcours ou l'itinéraire d'une femme exceptionnelle que fut Wassila Bourguiba? D'abord, je tiens à remercier pour l'invitation et je dois dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous à l'Institut arabe des droits de l'homme et spécialement dans ce quartier, ce beau quartier de Saïda, à partir duquel la radio FM Saïda émet en ce moment. En ce qui concerne la question posée, Ronan Romain, en partant du principe que les femmes immatures ne peuvent pas prendre part aux grandes décisions, il a d'ores et déjà choisi son camp. À savoir, il s'est positionné en tant que misogyne, excluant la présence des femmes du domaine public et réservant exclusivement cela aux hommes. Alors que depuis la haute antiquité et la basse antiquité, les femmes ont toujours joué un rôle primordial dans la vie publique, notamment lorsqu'elles sont dans un cadre idoine pour montrer l'éclat de leur talent. Je ne cite que Néfertiti en Égypte, mais aussi toutes les impératrices romaines, en passant par toutes les régentes qui, à un moment ou un autre, en France, ont pris la reine du pouvoir lorsque Louis XIII ou même Louis XIV, et je parle aussi de Louis XVI, étaient encore dans l'enfance. Toutes ces femmes ont joué un rôle primordial. S'agissant de Wassila Bourguiba, Wassila Bourguiba, effectivement, comme vous l'avez bien souligné, est un cas exceptionnel. À l'échelle de la Tunisie, petit pays s'il en est, mais aussi à l'échelle du monde arabe. Dans la mesure où Wassila Bourguiba a bénéficié d'une position, d'un statut et d'une influence sans équivalent dans le monde arabe. Aucune autre première dame, aussi puissante soit-elle dans l'ombre, n'a régenté la vie publique, n'a participé à la prise de décision telle que Wassila l'a fait auprès de son mari, Habib Bourguiba. Sinourdine, quand on observe ou quand on consulte les ouvrages rédigés par les historiens, on trouve plus ou moins que les femmes, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont les oubliées de la politique? Oubliées de la politique, sûrement pas. Mais le contexte social, et je dirais même l'évolution des mentalités, était telle que publiquement, et je souligne le terme publiquement, les femmes étaient censées être exclus de la vie politique. Mais dans le domaine privé, quel que soit le lieu, quel que soit le ton, les femmes ont exercé un rôle primordial. Je vous cite deux ou trois exemples. Bon, je ne parle pas de sophonisme, et je ne remonte pas à la reine Didan, mais je m'en tiens aux exemples que les gens connaissent mieux peut-être que d'autres. Et je citerai Al-Khayzouran, la femme, l'épouse favorite de Rachid, qui fut une femme influente et qui a joué un rôle très important dans la transmission de du pouvoir à son fils Al-Amin, au détriment d'Al-Ma'moun. Je cite Shajarat al-Durr,
Algie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une sorte de dalisque d'origine donc captive, qui auprès des sultans d'Égypte a joué un rôle primordial et qui a su, grâce à son entregent, à sa roubladrice sûrement, mais aussi parce que Shajarat al-Durr était une femme hautement intelligente, prendre le pouvoir et proclamer par Ahl al-Hal wa al-Aqd et surtout par l'armée, reine d'Égypte. Jusqu'au moment où cet acte a fait scandale et que, naturellement, partout dans le monde arabo-musulman, on s'est insurgé pour l'écarter de cette position et lui retirer ce statut. Je ne parle pas des bayas, c'est-à-dire un certain nombre donc, d'épouses de bay, notamment les Lakmar, qui a joué dans l'ombre aussi un rôle très important et très peu connu. Mais aussi, on peut parler des princesses husseinites, et notamment des filles de l'Amin Bey, le dernier Bey de Tunisie, notamment Zakiya Bey, qui a joué un rôle politique, je dirais, important. Donc le rôle de l'historien, c'est de sortir ces femmes qui ont joué un rôle important dans la politique et peut-être aussi dans le domaine privé, de l'ombre. Et c'est ce qui me conduit à vous poser une question, parce qu'il y a des étudiants qui nous regardent et j'aimerais bien vous poser la question sur votre corpus. Comment avez-vous constitué votre corpus, sachant que vous avez traité des périodes plus ou moins récentes et que l'accès aux archives tunisiennes est difficile pour le moment, pour les périodes notamment qui remontent aux années 80, 90 et même à la fin des années 70. Qu'avez-vous fait pour faire, rassembler les documents et est-ce que vous vous êtes contenté uniquement de la presse et de quelques témoignages? Bonne question. Toutes les questions sont bonnes par essence. Mais je dirais que celle-là, elle est pertinente s'agissant d'histoire et surtout de jeunes chercheurs qui posent toujours la question de savoir si tel ou tel sujet est abordable compte tenu de la disponibilité de la documentation. Concernant le cas de Wasila, pour moi c'est un sujet inédit et par nature j'ai un penchant pour les terrains inexplorés, c'est-à-dire pour tout ce qui n'a pas été traité, parce que c'est une manière justement d'engager un processus qui sera, me semble-t-il, amplement complété par la suite. Je reviens justement à notre débat, comment le chercheur en histoire, qui s'est intéressé à un personnage peu connu, a-t-il agi pour collecter son information et sur quelle base documentaire il s'est appuyé? Naturellement, c'est la grande question que je me suis posée, mais naturellement, en tenant compte un peu de ma fréquentation des archives, je sais que pour les périodes modernes, les archives de l'État et les archives des personnes qui ont un lien avec l'État sont disponibles. Or, l'avantage en ce qui concerne le cas de Wasila Bourguiba, c'est ce que ses arrière-grands-pères étaient des caïds. C'est-à-dire qu'il appartenait à cette nomenclatura, à cette élite financière et administrative qui a géré les biens de l'État en concessionnaire, Guyet Lazama. Mais en même temps, certains d'entre eux étaient des sortes de caïds militaires, parce que le fondateur de la lignée, Ahmed Ben Ammar, était l'un des hommes protégés du fondateur de la dynastie Husseinite. De fil en aiguille, justement, j'ai reconstitué la trame de l'appartenance de Wasila Ben Ammar à cette famille qui ne fut pas naturellement aussi célèbre que les grandes dynasties qui remontent, dynasties familiales, j'entends, qui remontent à la période Hafside, telles que les Jallouli, et d'autres encore, mais qui fut une famille connue qui, par un processus lent
est sûr, c'est à partir de 1840-50, c'est tunisoisée. Parce que cette famille était d'origine, locale, ou autochtone, et qui a servi une dynastie qui est d'origine turque. Voilà pour donc la première partie des archives. S'agissant maintenant de la période qui concerne l'itinéraire de Wasila elle-même, qui est née, comme beaucoup le savent, en 1912. Là aussi, les archives tunisiennes et surtout les archives françaises, microfilmées et déposées à l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national, sont disponibles. Elles sont rares, elles sont fragmentées, elles sont difficiles d'accès, mais il faut faire preuve de beaucoup de patience pour collecter l'information, pour trouver le fil conducteur et naturellement, à la fin, tisser cette trame. Reste maintenant la période récente, ou la plus récente, à partir de 1956. À partir de 1956, il y a quelques correspondances et très peu de documents. Le chercheur dans cette situation et face à cette indisponibilité de documents écrits est acculé à faire appel aux témoins. Et le choix des témoins, comme vous le savez, est un choix difficile. Parce que aborder l'itinéraire d'un personnage aussi important, qui a marqué de son empreinte l'histoire de la Tunisie, et pour ceux qui l'ont côtoyé, un sujet qui n'est pas aujourd'hui abordable, pour différentes raisons que j'ai expliquées dans le livre. Donc, j'ai dû faire face à beaucoup d'hésitations, souvent à un refus. Mais certains témoins, membres de sa famille, anciens ministres, anciens gouverneurs, ont accepté volontiers de collaborer et de me fournir les informations dont j'avais besoin. Reste le dernier recours, ce n'est pas le plus important, la presse. Et il ne faut pas minimiser le rôle de la presse, parce que la presse nous donne une chronologie, nous permet de tracer un cadre et de replacer chaque action dans son contexte national et international. Ces contraintes documentaires, Sinordine, est-ce qu'ils étaient... est-ce que ces contraintes qui vous ont poussé peut-être à faire... une étude qui n'est pas dans l'ordre de la biographie classique, mais vous avez cherché à retracer l'univers de Wasil. L'univers de Wasil, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. On ne peut pas comprendre l'action, les initiatives, les interventions visibles et invisibles de Wasil si on ne les replace pas dans leur contexte. Secondo, je dirais que il ne s'agit pas ici d'une biographie classique. Je dirais que cet essai, parce qu'il s'agit d'un essai, s'apparente à ce que les Italiens appellent la micro-histoire, la micro-storia, si je ne m'abuse. Vous connaissez peut-être un peu mieux que moi l'italien, qui met le focus non pas sur l'histoire des masses, des peuples, ou des grands ensembles, des mentalités, mais sur les monographies et sur les biographies. Et cela ne veut pas dire que... Pardon, Sinordine, et sur ce que Alain Corbin appelle l'atome social, quand elle a étudié le monde retrouvé de Louis-François Pinago, un inconnu qu'il a déniché dans les archives et a pu écrire un livre, pas en prenant comme repère ce Louis-François Pinago, un inconnu, et a pu par la suite retracer l'univers. Moi, j'ai l'impression que vous avez suivi la même démarche d'Alain Corbin pour faire cette étude, qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une biographie de Wasila Bourguib. Tout à fait. Mais d'une histoire de la Tunisie à travers Wasila Bourguib. C'est-à-dire qu'à travers l'itinéraire de Wasila Bourguib, parce qu'il est tracé, on aurait pu expédier l'affaire en 20 pages. Ce n'est pas l'objectif. À travers son action, ses faits, ses interventions, ses pressions, ses combines, ses actes machiavéliques, si j'ose dire, cela ne peut pas se comprendre. Et il serait, je dirais, rébarbatif de les retracer si on ne les replace pas dans le contexte et si on ne cherche pas à retrouver justement l'histoire de cette Tunisie qui vient de se mettre en place, j'entends la Tunisie indépendante,
avec tous les défis, les enjeux, les querelles de personnes, les actions, les interactions, les jeux de personnes, etc. Et dans ce jeu-là, il y a la petite histoire et la grande histoire qui s'imbriquent. Et c'est là la difficulté de l'essai aussi. Comment justement reconstituer tout cela, suivre le fil conducteur donc de cette vie pleine de surprises, mais aussi combien éclatante, des fois remarquable, mais des fois violente. Et à mon avis, Sinourdine, vous avez réussi cet exercice, si délicat soit-il. Juste une question pour qu'on puisse avancer, parce que le temps passe. Wassil Ben Ammar avait-elle des prédispositions pour faire de la politique? Oui et non. Je dirais oui, parce que, compte tenu de son caractère, c'est une forte personnalité. Depuis son jeune âge, elle s'est imposée à sa famille, elle s'est auto-émancipée à partir de 1930. À l'âge de 18 ans, elle refusait de porter le voile. 110 ans. Et je le rappelle, c'était en 1930. Elle n'a sûrement pas lu le livre phare de Tal Haddad, Umra'atuna fi Shari'ati wal Mujtama', mais c'est en cette année-là qu'elle a fait son premier voyage en France. Et de retour en bateau à Tunis, l'une des servantes de sa famille est venue lui porter son voile pour qu'elle le remette. Elle a refusé net de le porter. Ça, c'est le premier indice. Second indice, 2 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, on la retrouve dans l'action caritative et dans ce que j'appellerais une action associative embryonnaire, c'est-à-dire dans une association de femmes dont l'objectif est la collecte de fonds pour secourir les indigents, mais aussi les victimes d'inondations. Et à partir de là est née, dans sa représentation, l'idée de fonder une association féminine en Tunisie. Projet qui sera concrétisé en 1936. Donc déjà, avant une rencontre qui a bouleversé sa vie avec l'un des leaders les plus célèbres du mouvement national, en l'occurrence Habib Bourguiba, cela s'est passé en 1943, alors qu'elle avait à peine 31 ans. Et cela a bouleversé donc le cours de sa vie et lui a indiqué une autre voie et un autre itinéraire. Aussi, vous avez dit dans le livre que son père était proche du vieux Destour. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, mais je pourrais revenir là, c'est parce que... Mais il faut qu'on avance, Sinourdine. Son initiation à la politique s'est faite oui. par son père. Son père est l'un des fondateurs du vieux Destour, il était ami de Abdelaziz Halbi. Ah. Et lorsque le comité du vieux Destour se réunissait chez elle, Fermorkad, 47 rue Boukhris, son père lui-même lui demandait justement de venir écouter à la porte le processus et naturellement le cours de la discussion. Pensez-vous qu'en s'investissant dans la vie politique, Wassila a cherché à compenser cette dégradation sociale de sa famille, notamment après le décès de son père? En fait, il ne s'agit pas de dégradation, parce que c'est une famille qui avait une position sociale élevé au 19e siècle. Et sous le protectorat, il y avait 2 branches. Une branche qui a collaboré avec le protectorat, dans la famille Omar, il y a des officiers qui ont fait la guerre au Maroc en 1912, mais aussi la Première Guerre mondiale. Et il y a une autre branche qui était soit passive, soit militante. Dont est issu justement le célèbre Hassib Ben Ammar et sa cousine Radi al-Haddad. C'est Hassib qu'il soit aujourd'hui salué parce que c'est lui le fondateur de l'Institut arabe des droits de l'homme. Donc cette branche-là, c'était une branche militante, engagée dans la vie nationale. Et pour répondre à votre question, aussi là, en s'engageant dans la politique, peut-être elle trouvait un dérivatif à
une personnalité dynamique qui était contenue dans un cadre familial plus ou moins contraignant. Et elle, elle s'est engagée dans la politique, c'est-à-dire elle était dans l'associatif, elle était dans les grands meetings, déjà pendant le mouvement de résistance nationale, à la fin des années 40, mais aussi à partir des années 50. Alors là, Wasila était sur toutes les lèvres parmi les nationalistes. Exactement. Et cette rencontre avec le leader nationaliste Habib Bourguiba n'était pas une rencontre fortuite. Derrière cette rencontre, est-ce qu'il y avait Wasila? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Ou est-ce qu'il y avait probablement la résidence générale? Je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de réponse affirmative. Je me suis posé la question. Est-ce que la rencontre était une rencontre tout à fait fortuite ou est-ce qu'elle était arrangée? Et je pencherai pour l'arrangement. L'arrangement, c'est-à-dire que l'une des belles-mères, des belles-sœurs, pardon, de Bourguiba, qui avait une dent contre son épouse Mathilde, voulait d'une certaine manière introduire une nouvelle femme dans la vie du leader. Cette hypothèse existe. Et une autre hypothèse, selon laquelle c'est la résidence qui s'est arrangée pour la placer donc, dans la vie de Bourguiba. Cette hypothèse est faible. Et pour cause. En 1943, en mai, la résidence, si vous voulez, était aux mains de l'amiral Estiva, qui était un collaborateur de Vichy. Et l'amiral Estiva, comme vous le savez, a été jugé, condamné, pour collaboration avec l'ennemi allemand, étant donné que les Allemands ont occupé la Tunisie. Et je pense qu'il était loin de penser qu'on pouvait manigancer quelque chose contre Bourguiba, qui était, comme tout le monde le sait, presque détenu par les Italiens, et les Italiens n'ont accepté de le repatrier en Tunisie, de l'exfiltrer dans des conditions rocambolesques le 8 avril 1943, par un voyage par avion qui a été à maintes reprises pris par cible par l'aviation alliée. Donc je ne pense pas que dans cette branle-bas de fin de guerre en Tunisie, de recul des Allemands, d'invasion des forces alliées, etc., l'amiral Esteva, ses services, pouvaient avoir donc un stratagème pour déstabiliser la vie de Bourguiba. Mais Bourguiba lui-même se doutait d'elle, notamment lorsqu'il lui a rendu visite en Égypte et elle lui a posé trop de questions. Oui. Wasila était-elle trop curieuse ou était-elle mandatée pour collecter des informations sur les activités politiques du leader? Il y a deux pistes. Il y a la piste de ceux qui n'apprécient pas Wasila, sa manière de s'être introduite dans la vie de Bourguiba, de devenir pratiquement le numéro 2 dans sa vie, et ceux qui l'apprécient. Les premiers ou le premier groupe, naturellement, pensent que celle-ci ne peut être que l'envoyé spécial de la puissance protectrice pour donc avoir toutes les informations. De toutes les façons, une chose est établie, et tous les témoignages concordent là-dessus, c'est que Bourguiba n'est pas homme à garder un secret. Lui-même, vous étiez jeune, en 1973, il a fait une série de conférences sur sa vie politique, il parlait de sa propre personne, de ses rapports intimes avec ses épouses, et même de sa constitution physique. Donc c'est quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Et qui le disait, qui le déclarait, et il n'avait pas peur justement d'être en quelque sorte espion. De toutes les façons, les renseignements généraux français avaient leur mandataire dans les rangs du néo-destour. Ce qui est sûr, hein, ça on le sait parce que les archives en témoignent. Donc pour revenir à cette histoire de 1948, effectivement, moi j'ai relevé une lettre que j'ai en partie publiée selon laquelle Bourguiba était furieux, devenu même très violent, lorsque Wasila, par curiosité, voulait tout savoir sur son action en Égypte, ses contacts, etc., etc. Mais par la suite, et ça c'est un peu aussi le caractère
de Bourguiba, après avoir été violent, il s'est confondu en excuses, parce que pour lui, Wasila, dans son équilibre sentimental, était un élément essentiel. Elle a été aussi utilisée par Bourguiba, notamment, par exemple, pour saboter le meeting de Salah Ben Youssef à la mosquée de Kérouan. Elle a été envoyée à Paris pour suivre le dépôt de plainte par la Tunisie à l'ONU. Tout à fait. Il faut dire que de ce point de vue, la coopération, entre guillemets, entre les deux protagonistes était parfaite. C'est-à-dire qu'elle complétait Bourguiba et qu'elle a mis son carnet d'adresses et son réseau à sa disposition. Et c'est elle qui a arrangé sa rencontre avec Edgar Faure et avec d'autres hautes personnalités à Paris, sans que cela se sache, même par les renseignements généraux français eux-mêmes. Mmh. Mais quelle a été l'appréciation par les milieux nationalistes de cette relation interdite entre Bourguiba et Wasila Bourguiba? Et cette relation a-t-elle été utilisée pour s'attaquer à Bourguiba? Oui. C'est-à-dire que Wasila était, c'est vrai, une femme exceptionnelle, mais aussi, je dirais que le milieu socio-mental tunisien était aussi assez exceptionnel. En ce sens que les gens, je ne dis pas les conservateurs, mais d'une manière générale, notamment dans la capitale, ne blâmaient pas outre mesure une relation extra-conjugale. Et au sein du Nouveau Destour, dès les premiers jours, cette relation était connue parce que Bourguiba ne cachait rien. Il le disait, il s'en vantait. Et parmi ses camarades, les historiques du parti, il y avait deux lignes. La ligne puriste, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent aux relations donc canoniques dans le couple, et étaient représentés par Slimane Ben Slimane, pour qui cette relation était interdite, était Muharrama. Et il en a blâmé Bourguiba, qui a ignoré le blâme, naturellement. Et tous les autres qui fermaient l'œil. Parce que pour eux, Bourguiba avait besoin d'une quiétude et d'une sérénité dans sa vie privée qu'il ne pouvait pas avoir dans son propre foyer pour différentes raisons. Et il fermait l'œil, il ne disait pas mot. Au contraire, certains parmi les compagnons de Bourguiba, ont essayé de se rapprocher d'elle parce qu'ils ont compris que pour obtenir les faveurs du premier responsable du Nouveau Destour, souvent on passe par sa campagne, son égérie préférée. Et pourtant vous dites, à la page 67, l'amour fantasmé de Wasila ne fait pas perdre à Bourguiba le sens du concret. Aussi ce dernier n'hésite pas, malgré sa passion dévorante, à rappeler Wasila à l'ordre quand il juge ses actes politiques répréhensibles. Notamment, lorsqu'au printemps 1954, Wasila, sans se référer à Bourguiba, signe une pétition au président de la République française sollicitant l'amnistie, la clémence de la France envers Bourguiba, ce qui l'a mis en colère. Oui. Exactement. Lui, il était à la Galite et naturellement, les correspondance mettait beaucoup de temps pour arriver. La Galite était reliée par un service mensuel, souvent hebdomadaire l'été, avec le continent. Et les lettres ne pouvaient pas être acheminées à temps. Et aussi, là, peut-être, sentant le vent tourner en 54, voulait alléger les conditions de détention de Bourguiba, parce qu'il faut replacer les choses dans leur cadre. Bourguiba était à la Galite, hein, c'est une île éloignée, balayé par les vents, et très humide, et qui a énormément pesé sur la santé de Bourguiba. Et elle était au courant. Elle pensait qu'elle pouvait écrire au président de la République pour adoucir ses conditions de détention en changeant son lieu de résidence, c'est-à-dire en l'envoyant en France, dans un lieu où il pouvait se soigner, où il pouvait être dans une situation où il pouvait correspondre avec ses compagnons, avec elle-même, avec son entourage, etc. Il ne l'a pas accepté.
pour lui, c'est une question de principe. Pas de concession, pas de lettres larmoyantes, comme il le dit, surtout quand ces lettres, ou cette lettre, ou cette pétition, parvient de sa propre compagne, qui dit, cette compagne est une militante, et il écrit lui-même en arabe, « Enti maksh hakka ou barra ». Si Nourdin, en parcourant le livre, on trouve que cette femme exceptionnelle a joué le rôle d'intermédiaire entre Bourguiba et Salah bin Youssef, vous le dites à la page 71, entre Bourguiba et les Palestiniens, entre Bourguiba et Gaddafi aussi, il y a eu des différends avec Gaddafi. Et elle a aussi joué un rôle très important sur le plan diplomatique non officiel dans les pays du Golfe. Elle a été l'amie avec une princesse saoudienne et elle se rendait fréquemment, soit en Égypte, soit en Arabie Saoudite, et même en Jordanie et en Syrie aussi. Parce qu'elle a été l'intermédiaire non officiel de Bourguiba. L'intermédiaire, non. Elle n'a pas été officiellement mandatée. Mais tout simplement, pour revenir à 1955, elle a voulu justement, en quelque sorte, réduire le différend entre Bourguiba et Salah bin Youssef. Parce qu'elle sentait que Salah bin Youssef, de par son caractère, sa fougue, son audience aussi, allait devenir un jour ou l'autre un adversaire acharné de son compagnon. Elle voulait peut-être trouver un modus vivendi. Ça a marché. C'est-à-dire que Salah bin Youssef a accepté à un moment, notamment en août 1954, le principe de l'autodétermination. Avec l'idée que on allait concrétiser justement cette autodétermination par un traité qui sauvegarde les intérêts de la Tunisie. Mais à la fin, naturellement, voici là, lorsqu'elle a senti que Salah bin Youssef jouait sans va-tout, elle a préféré justement les solutions radicales, à savoir l'éliminer de la scène politique, c'est-à-dire l'exclure d'une certaine manière, où elle a participé au sabotage de l'un de ses meetings à la grande mosquée, la mosquée Aqba ibn Nafa, en octobre 1955 à Kairouan. Pour revenir à la diplomatie de la Tunisie indépendante, effectivement, aussi, elle a joué un rôle officieux très important entre la Tunisie, sans avoir un statut officiel, sans être mandaté, sans être chargé de quoi que ce soit, mais elle s'imposait. Mais elle savait où ne pas aller trop loin. C'est-à-dire, pour elle, le cadre d'action, c'est celui délimité par le président. Et elle a agi, naturellement avec les Algériens, avec Mohamed Gaddafi, qui, comme tout le monde le sait, est devenu l'ennemi acharné de la Tunisie à partir de l'avortement du projet d'union ou de fusion entre la Tunisie et la Libye au mois de janvier 1974. Elle a joué les bons offices entre les Palestiniens et la Tunisie, en ce sens qu'elle a convaincu le président Bourguiba d'accepter d'accueillir les combattants palestiniens après l'invasion du Liban à partir de juin 82 et l'exigence selon laquelle les Palestiniens devaient quitter le Liban pour une autre destination. La seule destination viable était pour de nombreux pays arabes la Tunisie. Mais au départ, Bourguiba n'a pas accepté et c'est Ouassila qui a réussi à le convaincre et effectivement ils ont été accueillis dans le port de Bizerte à la fin du mois d'août 1982. Et ils se sont installés, comme tout le monde le sait, au camp de Wadi Zerka, jusqu'à leur départ, 11 ans plus tard, pour la Palestine, c'est-à-dire après les accords d'Oslo. Et cette prise de conscience de la complexité de l'affaire palestinienne et de la nécessité de s'engager auprès du Palestinien, ça a été lors d'une visite
avec Bourguiba, on a visité à Jéricho, les camps palestiniens aussi. Oui. Les camps des réfugiés palestiniens. Oui. En fait, elle connaissait l'enjeu et elle suivait de très près ce qui se passe au Moyen-Orient. On ne l'a pas dit, Wassila a été très peu à l'école. Elle n'a pas eu son certificat d'études, mais elle a une culture politique immense. Cette culture, elle la tient naturellement de ses conversations avec les grands du monde, mais aussi avec son entourage, et également en suivant l'évolution de l'actualité mondiale, et notamment dans le monde arabe. Et de ce fait, elle était consciente du problème palestinien. Et on le sait, au mois de mars 1965, elle a accompagné le président qui a effectué un périple qui est devenu pour elle historique en visitant environ une quinzaine ou une vingtaine de pays du Moyen-Orient, à partir de l'Égypte. Puis la Jordanie, et à l'époque la Cisjordanie, Jéricho, faisait partie la monarchie hachimite, la monarchie jordanienne hachimite. Et c'est là où justement Bourguiba a fait un discours qui est devenu pour certains, je dis bien pour certains, une référence, en expliquant que la solution, c'est le partage, c'est-à-dire de revenir à la résolution de l'ONU de 1947. C'est-à-dire une partie, telle qu'elle a été définie par cette résolution, aux Arabes et l'autre aux Israéliens. Et ça a été un tollé général, une prise de position contre justement le discours de Bourguiba. Il a failli être assassiné à Beyrouth. Et il a annulé un voyage qu'il devait effectuer en Syrie et en Irak parce que la foule était dans une telle excitation. Et c'est elle qui l'a prévenu, qui lui a demandé de ne pas se rendre. Elle a envoyé deux émissaires pour s'assurer que le voyage pouvait être effectué. Et dans les deux camps, on lui a dit oui, mais... Alors c'est le mai qui a été souligné par Wassila et qui a demandé à Bourguiba de ne pas mettre les pieds en Syrie et en Irak. Dans le livre, vous montrez en filigrane que quand Wassila se met à l'écart de Bourguiba, il commet des erreurs stratégiques, voire des bêtises entre guillemets. Par exemple, le projet d'union annoncé à Djerba le 12 janvier 1974 et dont l'artisan était Mohamed Masmoudi et Mamar Gaddafi. Effectivement, le problème c'est que ce projet a été concocté à l'insu de Wassila alors qu'elle était elle aussi en voyage à la suite de la guerre arabo-israélienne d'octobre 1973. Elle a tenu elle-même à visiter les camps, mais aussi les blessés de la guerre, aussi bien en Égypte qu'en Syrie et au Liban. Et lorsqu'elle était au Koweït, elle a appris une heure après la signature, une heure, peut-être quelques minutes, hein, le temps que la nouvelle soit annoncée, que la Tunisie s'est engagée dans une fusion immédiate, complète, une unité avec la Jamahiriya ou avec la Libye. Bon. Elle a tout fait pour saborder ce projet. Mais alors, vous avez prononcé le terme erreur. Pourquoi erreur? En fait, les unions ne se préparent pas, notamment les fusions, entre deux hommes à l'insu du gouvernement. Bourguiba, effectivement, n'a consulté ni son gouvernement, ni son entourage, ni peut-être à l'échelle régionale ses voisins, et le tout s'est effectué dans une mise en scène que Gaddafi savait donc pratiquer, et que Masmoudi, qui était pressé de jouer les premiers rôles dans la nouvelle république donc fédérative ou unioniste, a fait lui aussi à l'insu de ses collègues. Donc le tout était une histoire de dupe. Cette histoire de dupe a fini par avoir le consentement de Bourguiba, qui lui a été obnubilé
par les conséquences de la guerre de 1973, dans la mesure où les pays arabes producteurs de pétrole ont vu le prix du pétrole, le prix du baril, passer de 4 dollars à 16 dollars. Et pour lui, c'est l'Eldorado. Ce qui manquait à la Tunisie, justement, travailleuse, dynamique, pleine de bonne volonté, avec une élite cultivée, etc., il lui manquait les investissements. Alors, d'un côté, une population tunisienne de 7 millions d'habitants, d'un autre côté, une population libyenne de 3 millions d'habitants, beaucoup de pétrole, une dynamique, une élite, avec le tout, il va y avoir une mini-puissance africaine qui va balancer la puissance algérienne et se comparer aux États producteurs de pétrole, etc. Cette idée a travaillé Bourguiba. Il a fini par accepter justement de signer sans tenir compte des conséquences possibles sur son propre régime, sur les conséquences régionales, notamment ses relations avec l'Algérie, et aussi, c'est le plus important, sur les conséquences à l'échelle internationale, parce que à l'échelle internationale, Bourguiba était apprécié des grands de ce monde. Mais Kadhafi l'était beaucoup moins, naturellement. Et on voyait mal une fusion entre un colonel qui est sorti du rang, bouillonnant, riche, c'est sûr, mais imprévisible, capable de tout et de rien, et un Bourguiba qui passait maître dans la réflexion cartésienne, capable de mûrir sa réflexion, de tenir compte de tous les paramètres et de prendre les décisions qui s'imposent le moment venu. En 1974, Bourguiba n'a pas pris au regard, je dis bien, de son environnement politique national et international la bonne décision. Parce que la Tunisie allait, d'une certaine manière, passer sous la coupe de Kadhafi. Parce que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse. Et voilà. Et de l'armée. Et de l'armée, naturellement, et des renseignements. Et, en quelque sorte, la Tunisie allait se libyiser. C'est-à-dire devenir une partie de la Libye et non l'inverse. Toujours dans le même ordre d'idées, Sinourdi, Wassil a empêché Bourguiba de commettre l'irréparable. Par exemple, après le jeudi noir du 26 janvier 1978, elle a empêché Bourguiba d'envoyer Habib Achour au peloton. Donc du coup, donc là on revient au rôle de Wassil pour empêcher Bourguiba de commettre l'irréparable. Et d'un autre côté aussi, il y a une autre question qui dérive de cette première question, c'est le rapport de Wassil avec le GTT. Ils ont été toujours très bons. Et quel que soit le secrétaire général du GTT, Wassil s'arrangeait toujours pour qu'il compte parmi ses amis. A commencer par Ahmed Tlili, elle a connu même Farhat Hachet, et tous les secrétaires généraux, c'est-à-dire Ahmed Ben Salah. Ahmed Ben Salah, elle est derrière son ascension fulgurante. Et elle est derrière aussi sa chute fulgurante. Exactement. Elle était l'amie d'Ahmed Ben Salah. Puis, naturellement, elle, quand je dis amie, c'est à mettre entre guillemets. Hein. C'est une alliance tout à fait temporaire. Et quand ses intérêts étaient en jeu, elle a joué tout son va-tout pour l'écarter du pouvoir et le faire juger et, naturellement, l'emprisonner. Était proche d'Habib Achour. Habib Achour aussi est resté son ami, entre guillemets, jusqu'à la fin de ses jours. Elle a donné les mêmes conseils à Ahmed Ben Salah et à Habib Achour. Oui, c'est-à-dire qu'il échangeait des informations. Et l'information tient une place essentielle dans la conscience politique de Wassil. Elle faisait tout. Elle payait n'importe quoi pour avoir la primeur des informations. D'ailleurs, elle était, en matière d'information et de renseignement, la concurrente, sinon une super concurrente, des services spéciaux de l'État. C'est-à-dire, Sinourdine, elle a donné le même conseil à Habib Achour et à Ahmed Ben Salah lors du procès, de ne pas faire un procès pour l'État. C'est-à-dire que le conseil est le suivant. Elle connaissait le caractère de Bourguiba. Bourguiba est un homme hyper nerveux. C'est un homme accessible au raisonnement. C'est un cartésien parfait. Mais c'est un passionnant
invétéré, un passionné invétéré, capable du pire lorsqu'il considère que l'intérêt supérieur de l'État est en jeu. Et il suffit justement qu'il soit persuadé que cet intérêt est en jeu pour qu'il prenne des décisions extrémistes, y compris faire juger et condamner à mort très vite. Et elle comprenait cet enchaînement dans le raisonnement et dans la prise de décision. Elle est intervenue par émissaire interposé auprès d'Ahmed Ben Salah, qui était un homme fougueux, un excellent tribun, capable de tourner en dérision ses juges et de faire le procès du régime. Exactement. Ce qu'elle lui a demandé d'une manière nette, expresse, Ahmed, tiens-toi tranquille, ne fais pas le procès de Bourguiba, parce que derrière cette opération de coopérativisation, de socialisation, Ahmed Ben Salah était un producteur d'idées, mais le véritable mentor, c'est Bourguiba lui-même. C'est lui qui a donné sa caution, c'est lui qui a imposé Ahmed Ben Salah. Contre vent et marée, contre tout le monde. Et lorsque cette politique a montré ses limites, il s'est retourné pour dire « Mais non, les choses ne sont pas passées comme ça, Ahmed Ben Salah m'a induit en erreur. » Et c'est toujours ce discours, je dirais... Même chose pour Mzal. Même chose pour Mzal. Pour tout le monde. Il y a une sorte d'infaillibilité à laquelle il tient, c'est pas lui, ce sont les autres. Donc le problème, c'est que Ahmed Ben Salah ne devait pas faire le procès du régime et Habib Achour, idem, si tel est le cas, on va trouver des solutions. Et ils ont échappé à l'exécution. Ils ont échappé à l'exécution et tous les deux, d'une certaine manière, ont été libérés avant terme. Parce que la condamnation à 10 ans de travaux forcés d'Ahmed Ben Salah n'a pas été purgée dans sa totalité, dans la mesure où il s'est enfui. Avec quelle complicité? Bon, grand point d'interrogation. Hein, parce que vous ne pouvez pas s'enfuir d'une prison aussi bien gardée s'il n'avait pas de complicité sûre. Et il est passé en Algérie, on l'a su que le lendemain. Alors, pour Habib Achour, c'était différent. Habib Achour, elle a usé de son influence. Elle a naturellement s'est appuyée sur les organisations humanitaires, etc., pour expliquer à Bourguiba que c'est un monsieur qui a servi la cause nationale. C'est un compagnon de lutte, c'est un historique, c'est un homme chargé d'histoire. Il ne mérite pas la potence. Et il a fini par accepter. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste 2 minutes, Sinourdine, mais j'ai une dernière question. J'ai beaucoup d'autres questions, mais nous avons les contraintes du temps. Avait-elle sous-estimé les ambitions de Mohamed Mzal? Peut-être pas, mais pour elle, Mohamed Mzali, une fois à la tête des rouages de l'État, dans les conditions de santé de Bourguiba, pouvait collaborer. Et d'ailleurs, il y a une citation qui m'a été rapportée par l'un des témoins de cela, la femme intelligente, s'appuie toujours sur des personnes ressources. Elle a demandé à l'un des proches de Mohamed Mzali de lui transmettre un message simple et court. Écoutez, si Mohamed, vous voulez devenir président de la République, d'accord. Mais vous ne pouvez pas le devenir si vous ne collaborez pas avec Wassil. D'accord. Si vous acceptez de collaborer, c'est-à-dire de me réserver une position, de tenir compte d'un certain nombre de desiderata, en cela, je vous aiderai à le faire. Si c'est un refus, alors la distance entre El Qasba, siège du Premier ministère, et le palais de Carthage, qui est de 15 km, va devenir de 1500 km. Et le message a été transmis en ces termes. Mais elle l'a sanctionné. Elle a manigancé, elle a intrigué, elle a naturellement agi de manière à ce qu'il soit écarté. Il n'a pas été écarté, on le sait, bon, je n'entre pas dans les détails sont dans le livre, mais naturellement, elle a travaillé pour l'écarter, de différentes manières, y compris les moyens les plus violents.
Donc merci, Sinourdine. On peut dire que Wassila Bourguiba est une femme qui a marqué l'histoire de la Tunisie et que cette étude nous apporte un éclairage édifiant, aussi bien sur sa personnalité que sur l'histoire de la Tunisie contemporaine. Et je recommande à tout le monde de le lire. Et personnellement, je vais faire une note de lecture de ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. التلقيح هو الحل باش نوقفوا الكورونا واليوم لقح انا وزملائي باش نحميو رواحنا وعائلاتنا نحميوكم انتوما زاد التلقيح امن وفعال ويمثل اليوم احسن طريقه باش نقاوموا فيروس كورونا ونبداو نرجعوا لحياتنا العاديه وجبنا نسجلوا رواحنا وافراد عائلاتنا باش نتمتعوا بالتلقيح المجاني ضد الكورونا نجم تسجل على evax.in ولا اضغط على نجمة 2021 ديز ولا ابعث رسالة فيها evax على 85-355 وإلا اطلب الرقم الأخضر 80-10-2021 بالتلقيح نوقف الكورونا ألف مبروك لانطلاق إذاعة سيدة أفام أتمنى لها كل النجاح والتوفيق إذاعة جمعيتية تهتم بحقوق الإنسان يعني هذه أعتبر أنها إنجاز فريد في العالم العربي وفي تونس لأنه يعطي الفرصة إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان يعطي الفرصة إلى التعريف بحقوق الإنسان حتى لا تبقى هذه الحقوق في مجالها النظري أو مجالها البعيد عن المجتمع لأن حقوق الإنسان تخدم قضايا المجتمع الحقيقية قضايا التنمية قضايا التعليم قضايا الحقوق الاقتصادية قضايا الحقوق الثقافية فحقوق الإنسان لصيقة تماما بحقوق الطبقات الشعبية غالبا ما تبدأ حقوق الإنسان حقوق كما قلت أنها حقوق نخبوية وأغلب الشرائح التي هي موضوع هذه الحقوق تظل بعيدة كل البعد عن معرفة ما لها من الحقوق فمسألة التعريف بهذه الحقوق وآليات التمتع بها وآليات الحصول عليها هي من أدوار هذه الإذاعة التي ستمكن الشباب والشرائح من معرفة أغلب الحقوق التي يتمتعون بها داخل المجتمع وبالتالي تسعى هذه الإذاعة إلى إيجاد فرص لتقديم النصح القانوني تقديم الإرشاد القانوني تقديم مجموعة من الحقوق الأساسية خاصة فيما يتعلق بالحريات الحريات الفردية الحريات الجماعية الحقوق الثقافية الحقوق الاقتصادية كلها ستساعد على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان كأداة ناجعة للتنمية والنهوض بالمجتمع تنست نشوف أصحابي أما اليوم حياتنا تبدلت وحتى كيف ساعات نتقابلوا نقعدوا بعاد مش نوقف انتشار الكورونا خلينا الكلنا مسؤولين نقصوا قدر الإمكان أعداد الأشخاص في التجمعات نخليوا على الأقل متر بيناتنا وما ننساوش نلبسوا الكمامة ونغسلوا ايدينا بانتظام يد واحدة نوقفوا الكورونا